De idee om 21 walsen te componeren is eigenlijk een beetje gekomen dankzij de corona en dankzij de verplichte lockdownperiode. Ik heb mij aan de piano gezet. Ik ben al improviserend een wals beginnen componeren. En het uiteindelijke resultaat is een zeer divers amalgaam van walsen geworden in verschillende stijlen en verschillende genres. Ce que je trouve formidable, c'est justement que c'est une musique contemporaine puisqu'écrite à notre époque et qu'elle reflète encore les sentiments, les émotions et de la musique tonale. Ça veut dire qu'on peut encore composer de manière tonale et inventive et imaginative, que c'est pas mort. Voilà, ça fait des années que je rêvais de te rencontrer, Dirk, puisque j'écoutais ta musique depuis longtemps, dans les films, partout. Et grâce à notre ami commun, Daniel Capelletti, je me suis lancée à l'eau et je t'ai envoyé un message en demandant si tu avais un projet. Et puis dans l'heure, tu m'as répondu « Ouais, rendez-vous à Flagey demain, j'ai quelque chose ». Ik ken Eliane Reyes al een hele tijd qua reputatie. Ik heb ook opnames van haar beluisterd. Ik had haar nooit persoonlijk ontmoet. En ik was eigenlijk op zoek naar iemand die open stond voor dit project. Iemand die bekend was met het genre en het fenomeen wals. Maar ook iemand die met een open geest naar moderne muziek kon kijken. Ik denk de grootste moeilijkheid bij de interpretatie van die walsen is om de ziel uit elke wals te halen. Elke wals vertelt een ander verhaal. Le fait d'enregistrer sur le piano de Chris Mann avec les cordes parallèles, ça c'était vraiment une très très belle expérience. Je trouve que les cordes parallèles donnent vraiment une clarté au son. C'est très symphonique du coup et tout s'entend, tous les détails. On peut aller très loin dans les couleurs et la juxtaposition des valses et du piano, je pense que ça a vraiment contribué à la beauté du projet aussi. Guilty pleasures sont eigenlijk allemaal verhalen die zich afspelen in de verborgen kamers van ons onderbewustzijn. En soms is het grappig, soms is het humoristisch, soms is het passioneel, soms is het sensueel, soms is het exotisch, soms zijn er ook muzikale uitstappen naar andere culturen. En daarvoor ben ik terechtgekomen bij iemand die dat allemaal op een fantastische manier heeft muzikaal weten in te vullen. Ce que signifient les guilty pleasures pour moi, c'est tout d'abord ma première collaboration avec Dirk Brosset et c'était pour moi un rêve de l'enregistrer.